Et c'est parti pour le quiz! Et c'est parti pour le show! Je crois que tout le monde est connecté! Et c'est parti! On oublie les soucis de connexion. Ah, attendez, j'ai pas rejoint le Discord! Pardon, j'arrive! J'ai pas rejoint le Discord! Attendez, allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends pas, super! Ah. Oh là 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 là. Ah, j'ai vraiment une C'est voix quoi de cette vieux. soirée? Périphérique de sortie dans comme ça, le micro ça. Allô? Attends, là, par contre, je t'entends mal. Ou j'espère que ça va pas. Bon, pourquoi j'entends pas Discord? Mais c'est quoi ce Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est Là, je cassé, t'entends. je n'entends pas Là, je Discord. t'entends. Tu m'entends pas. Il n'y a pas de son qui sort de Discord. Ah bah alors? Attends, tu m'entends ou pas? C'est quoi ce bordel? Ouais, je vois ton icône qui bouge. Je vois ton icône qui bouge, Christopher. Faut taper sur le Nous, on entend téléphone, très bien. ça Mais va qu'est-ce qui. fonctionner. Ah, vous entendez? Ah, vous entendez Christopher? Mais moi, je ne l'entends pas. Ah, c'est bien ça. Bah, du coup, Christopher, Et moi tu j'entends. animes le stream et moi, je vais chanter. Ouais, bon voilà. Tu veux engager un scribe? Il va me retranscrire que ce que Christophe C'est ça. Attends. Non, parce que Allez, normalement, vu que c'est parfois bon. j'articule mal. Périphérique de Normalement, sort. c'est bon. Merde! Attendez. Oui. Allô? Allô? Oui! J'ai Oui. inversé, j'ai inversé dans mes paramètres de sortie le micro et les haut-parleurs. Bah oui. Plus difficile d'entendre ce qui sort de ton micro, oui. Oui. Je pense que tu peux prendre Bonsoir. le cours de stream. Oh, comment ça Bonsoir, va? bonsoir. Bah ça va. Ça va et toi? Bon, ça va tranquillement. Modulo les problèmes techniques de ce soir, mais Oui. ça rend le truc un peu rigolo. Je croise les doigts, j'avais vraiment peur que ce soit. Bah voilà, que ça ait crashé en fait. Mais ça Non, tout va. va bien. Non, mais Super, vrai. super. J'ai des pertes de quand je joue et que je vais sur Internet en même temps que je stream, en fait, j'ai le moteur de recherche qui prend le dessus et ça coupe le stream pendant 2 secondes. À ce point-là. C'est bizarre. Donc quand j'avance sur GeoGuessr, ça fait ce genre de truc. C'est très bizarre. C'est relou, effectivement. Donc je vais voir ça pour la prochaine fois là. C'est pas très grave. Et du coup, nous sommes partis pour le quiz. Quiz time, ça commence. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Vos grosses demandes. Quelle ville d'Île-de-France est la plus peuplée après Paris? Oh. Ah, Je sais je sais pas. pas. Ça fait un truc, Pareil. mais je sais Alors, je crois qu'on a répondu la même chose du coup. pas. C'est possible que ce soit les Cristaliens. Et non, c'est Là là, Boulogneux. bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo les Boulognois, bilan courtois. Donc le mec avec les modules qui aplatis et non pas écrasés, Nita qui l'ont eu. Ok, Eh bravo. ben bravo les Axenita. Ah, oh, Laurent Choix, j'avais pas vu. Et le Rochon. Avec environ 112 000 habitants, Boulogne-Billancourt est la deuxième ville d'Île-de-France devant Saint-Denis. Et oui, j'étais étonné, je pensais que c'était Saint-Denis la plus grande. Et ouais, et ben du Après coup, Paris. effectivement, après Paris. Enfin, la plus peuplée, quoi. Et il faut monter un chouïa le son de Chris. Ah, pardon. Ah. Quelle est la particularité du point culminant de l'Île-de-France? Ça sent le piège, mais bon. Ah non, c'est Ah, mieux let's ça. go. J'étais entre A et B.
Donc il est totalement artificiel. Est-ce qu'on va avoir une petite explication? Ah, on va avoir la localisation, j'imagine. Ah, comment ça s'appelle? C'est une Oh oui. décharge. Ici, nous réalisons les travaux de l'aménageur de la colline d'Elancourt. Ah, je sais plus où c'est, mais ça me dit Ah, un ça a truc de cette disparu. ville. Dalida, pizza au feu de bois. Oh là, sale défaite. Ouf. Ouf. Ça donne pas envie d'aller y faire la fête. Ah, je me souviens pourquoi ça me dit un truc. Ouais, je dirai après. Hop. Par contre, oui, la colline est en cours. Ouais, t'es Oula! déjà allé dans le coin dans ton stream il y a peu de temps. Et là, tu Pour m'entends parler bien sur plutôt avec Discord? quelqu'un. Oui, je t'entends très bien. Ah, parce que là, le Est-ce que les gens stream t'entendent bien? est en train de crasher un truc de Oh fou. non! Oh merde! Incroyable! Je vais vous faire un PowerPoint pour la prochaine fois. Hey. Ce sera plus simple. Par contre, effectivement, Bon, par qu'est-ce contre, que c'est où c'est que ça? exactement? Je vais me mettre là et puis voilà. L'idée. Oh là là, bravo! Bravo Astou, bravo la tête de veau, bravo Laurent Choix, bravo Nita! Et bravo le mec avec les mots Tchouki aplati et non pas écrasé. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai commencé à préparer. Hey, c'est vrai parce que du coup, là, on a tous des points très proches. Bon, c'est pas très grave, mais j'avais commencé à préparer un Excel justement par rapport à ça. Tant pis. La colline d'Elancourt s'élève à 231 mètres d'altitude et est le point culminant de l'Île-de-France. Elle est entièrement artificielle, constituée de déchets et de remblais. Ah, c'est une déchetterie. La colline est souvent fréquentée par les sportifs, vélo, course à pied, marche, et accueillera les épreuves de VTT pour les JO 2024. Les épreuves de VTT Ah bah, sur une déchetterie. ah bah oui, c'est cool, les JO sont des déchets, génial. Entre la natation dans la Seine et l'épreuve de VTT sur la déchetterie, franchement, J'avoue. c'est pas mal. Combien de branches à l'étoile sur le Oh logo de merde. l'Île-de-France? Oh. Bon, je tentais un truc. Bon, une étoile, ça a 5 branches. Oh merde! Ah oui, ça va être ça en fait. Ah non, il y a Ah 8. merde! C'était 8, qui a Autre trouvé 8? département, j'imagine. C'est moi. Je suis à tête de veau. Ah, c'est toi la tête de veau. Ouais, je. Ok. C'est ça, c'est bien 8 départements. Ah, les 8 branches de l'étoile représentent les 8 départements de la région. En effet, J'ai bravo! biffé, mais voilà. Tac tac, quiz time! C'est bien les quiz, ça fait pas laguer. Quel cours d'eau conflue avec la Seine en aval de Paris? Ah merde, en aval, ce serait pas plutôt en amont. Ou alors je me trompe. En Bah ouais, aval! c'est Putain, je me l'Oise. suis trompé. En amont, c'est la Marne. Ah Mais en merde. aval, c'est l'Oise. Ah Moi oui. j'ai pensé bêtement, oui, la Seine, ça devrait s'appeler Lyon. Et du coup, j'ai cliqué sur Lyon. Allez. Merde. Lyon, je sais plus où c'est, mais c'est bien, bien, bien avant Ouais, Paris. c'est bien en avant. Ouais. Je vais vous laisser là, je suis fatigué. Bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Eh bien, bonne Bonne nuit, Zander. soirée, Zonder. Bonne nuit. Et merci pour le forçage de sub, bien sûr. Merci beaucoup. N'hésite pas à être plus menaçante avec un stylo encore. Prendre deux stylos, par exemple. C'est très menaçant. Je suis pas trop pour la prolifération des armes de destruction massive, Ah, c'est du stylo. mais. Quel département a pris le numéro de l'ancienne Seine-et-Oise? Ah oui. Oh, l'ancienne C'est quoi Seine-et-Oise. déjà? Ça va être ça du coup.
Seine-et-Oise. J'expliquerai pourquoi en fait. Oh merde. Au de Seine et Saint-Saint-Denis, si je me trompe pas, ce sont des partitions du département de la Seine. Avec Paris et tout ça. Ah voilà, tiens, Ah. voilà, c'est bon, on a l'explication Oh là de là, Miko. il est trop fort. Donc, l'Île-de-France était auparavant composée de trois départements, la Seine-et-Marne, 77, qui existe toujours, la Seine-et-Oise, 78, et la Seine, 75, qui était enclavée dans la Seine-et-Oise. La Seine est devenue le département de Paris, et la Seine-et-Oise est découpée en plusieurs départements. Les Yvelines, qui a repris le numéro 78, l'Essonne, le 91, les Hauts-de-Seine, 92, la Seine-Saint-Denis, 93, le Val-de-Marne, 94, et le Val-d'Oise, 95. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, les Yvelines, c'est. Enfin, les Yvelines sont numéro 78, alors que alphabétiquement, ça marche pas. Ouais. Ça devrait être après Lyon, en Bah principe. oui. Et du coup, bah, les autres départements ont pris. Enfin, sont des départements 90, parce que du coup, il fallait les créer après les Bah autres. oui, du coup, ouais. Et Ok. c'est pour ça que ça pouvait pas être ces départements-là. Ok. Qui reprenaient un ancien département. Bah nickel. Je savais pas du tout ça, qu'il y avait cette ancienne découpe. Je la connaissais pas. Et pareil, ça correspond pas non plus. Oui, j'ai longtemps cru que Paris c'était l'ancienne Seine, et en fait, non, du coup, effectivement, la Seine s'est répartie en cinq départements, six départements, du coup. Ok. Ok. Et du coup, à la prochaine Under the Curse, bien sûr. Je sais pas si. Je pense qu'elle est partie. Mais. Ah, je connais pas. Des bisous. Mais en fait, au départ, Under the Curse avait nos deux streams en parallèle. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu React. Les deux en même temps. J'avoue, je ne sais pas où c'est. J'ai su répondre que parce que j'ai appris le 78. Bravo. Ah bah 14-18 ok, du bravo. 45. Et t'as appris qu'à 78, mais ça suffit du coup pour découvrir si t'es Yvelines? J'ai pas vu pour le. Il n'y a pas de numéro de la Seine-et-Oise. Bah probablement qu'elle savait que c'était dans les 70. Et du coup, je sais pas. Ah oui, c'était genre l'ancien numéro était plutôt dans les 70 plutôt que dans les 90. Peut-être. C'est bien les. Ah, même quand c'est un pont en no move. Hein. J'arrive pas à trouver d'indice en fait. J'ai tendance à me dire que ce serait une confluence, mais. Ah, Miko qui me dit que c'est en rapport avec les questions d'avant. Bon, bah, je vais tenter un truc, hein, du coup. En rapport avec les questions d'avant? Oh. Ah oui, c'est bon. Bah, du coup, j'ai trouvé. Enfin, je pense. Oh! J'ai trouvé? Attends. T'étais où du Ah coup? oui! Bravo, oui. J'étais pas prêt. C'était bien confiance à Tanorine. Ah, let's go! Oui, Ah parce parce que que je t'avais t'expliquais expliqué un jour que les Yvelines étaient dans les 78 à cause de son ancien nom et pas à la fin des départements. Ok. et Bravo, on retient des choses. Quel parc naturel régional ne se trouve pas en Île-de-France? Quel parc? Quel j'ai un parc? doute. Non, j'ai pas eu le temps de cliquer. Je voulais répondre ça. Tu Perche, vas prendre la c'est en pêche, c'est bon. Normandie. Effectivement, c'est plutôt l'Orne. Est de Ouais. l'Orne, donc pas loin de l'Île-de-France, mais oui. Yes. Yes. J'allais y répondre ça. Pas grave. Et bravo Laurent Choix, bravo Bravo pour la rapidité, ouais. la tête de Christopher. Me.
Me. Ah, tout à l'heure, j'ai vu des vaches, j'ai dit c'était la Normandie. Hein. Donc finalement, ton pseudo est raccord. C'est vrai, Hello, c'était pas fait bonjour. exprès, mais... Allô, bienvenue à la Paris La Défense. Hop Je pense voir à là. peu près où c'est, dans quel coin de Paris en tout cas, enfin de l'Île-de-France. Non, je sais plus par où c'est. Et bonne nuit, Oh, Nimiste. oui. Merci d'avoir suivi le raid. Des Bonne bisous. nuit. Allez, à la prochaine. Ici, avec un stream qui rame, peut-être pas. On verra. Croise les doigts. Tac, 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 tac. Patrick, je sais où tu te caches. Non, en fait, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus où c'est. Bon, je suis pas loin de toute façon, Attends. mais après. Non, c'est prêt. Alors attends. Putain. Je crois que j'y suis déjà passé pas loin en plus. C'est quand même un truc de dingue. C'est quoi cette. Mais je me demande Là. si je peux passer à pied par ici. Il y a peu de temps. Pour question pour un champion. Ah! Eh oui. C'est pas impossible. Putain, c'est J'ai dans 10 ce 000 plans en coin-là. plus. C'est dans ce coin-là. Je crois. Oh. Ah. Non, bon, je me suis mis à plus tôt, mais... Ah oui, c'est vraiment là, ok, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, pour moi c'est ouais, non, pour moi c'était dans Paris en fait. Ça, je connais pas du tout finalement. Il m'envoie le mec avec les Yuki pardon aplati, mais pas écrasé. Eh oui, bravo. Bravo le mec avec les motuki aplati et non pas écrasé. C'est honteux, hein, bien sûr. C'est honteux. On ne devrait pas porter un pseudo aussi violent. Bon, juste aplati. Juste aplati, bah ouais. Bah Il fait pouic. Il il fait fait pas pouic. sprouch, il fait pouic. Il fait pouic, c'est vrai. Il garde son intégrité. Mais c'est vrai que quand tu lui fais des gratouilles, il s'aplatit tout seul, donc. Haute de 231 mètres, la tour First est le plus haut gratte-ciel de France. Ah, c'est vrai, plus que la Ok. tour en Parnasse, du coup. Ah, il y avait un panneau Courbevoie. Quand on est sur les Champs-Élysées, on voit l'arche derrière l'Arc de Triomphe. Ok. Et oui, sur l'axe, effectivement, Arc de Triomphe, Arc de la Défense et Louvre. Ok. Faudrait que je Lieu visite Paris d'intérêt. une fois. Lieu d'intérêt, effectivement. Du coup, là, je vais Ça avoir va les être idées quoi? de destination. Sous quel président la pyramide du Louvre a-t-elle été construite? Oh. Je sais pas. C'était Mitterrand. Ok. Et De la défense bravo. d'ailleurs, il me semble. La pyramide a été commandée en 83 par François Mitterrand, inaugurée en 88. Le projet a suscité une grande controverse. Et finalement, comme la tour Eiffel, hein. Ouais. Et finalement, Ouh. arrêté municipal. Ouais, c'est très clair, je vois pas ce que c'est. Une cité médiévale. C'est vrai qu'en Île-de-France, il n'y a pas que la ville. Ah, c'est vrai que vu la tête, j'ai envie de tenter un truc.
Anita qui faisait partie des gens qui ont gueulé d'abord et applaudi ensuite. Pas ces gens. Ah Ah, sachant qu'il y avait des rumeurs sur la permis du Louvre d'ailleurs. bon? Ouais, j'ai lu, je sais plus où, mais assez récemment que il y en avait qui affirmaient qu'il y avait 666 carreaux de verre sur la permis du Louvre. En fait, il y en a presque 666, mais il y en a un peu plus. Et du coup, Mais voilà, dans le genre. ok. Ouais, du coup. Ouais, du coup, suffit Ouais, d'en du casser coup. quelques-uns et c'est bon. Ok. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour essayer de faire reculer son projet? Il a coûté 666 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Bah, là, j'avoue, c'est un peu cher, par contre. Oui, Bon. du coup, oui, effectivement. Tant pis, je vais prendre un truc au hasard et puis voilà. Ah merde. Oh. Je me suis mis à Ah, Rambouillet. Et on était à Provins. château de Provins. Ah ouais. Ah, je vous disais, en fait, la Seine-et-Marne, c'est genre. Je sais pas si c'est en Seine-et-Marne d'ailleurs, mais ça va être pas loin de la Seine-et-Marne, c'est le département le plus rural en fait. Ah. Ah oui, c'est une sous-préfecture de Seine-et-Marne. C'était médiéval, c'est une capitale Ancienne des comtes de capitale des Champagne. comtes de Champagne. Champagne représente est inscrit au Champagne. patrimoine mondial de l'UNESCO. Il paraît que la période du jour, c'est une C'était putain une mortelle. Hein. Ils avaient putain l'électricité. d'antenne. Il y avait l'électricité dans cette pyramide. À secours. Et ils avaient le Oh. Wi-Fi à l'époque. Sous quel Ah, pont j'étais parisien se là-bas. trouve une réplique de la statue de la liberté? Tenter un truc quand même pour être joueur, mais je sais plus. Ah, c'est pas le Pont pont de d'Annemasse, c'était pour Grenelle. Grenelle. Alors, voilà, c'est tout. Et effectivement, bravo à Sou qui était le seul à avoir la bonne réponse. Bravo. Ouais, bah, j'avais pas la ref. Je ne savais pas qu'il y avait une réplique. Enfin, des répliques de la Statue de la Liberté, il y en a plein. Et on avait une sous un pont à Paris. C'est le Zouave Ces eaux sous sous le pont pont de d'Alma, l'Alma, je crois. ouais. Alors complètement mico, mais je me disais, bon, il y a peut-être la place pour une autre statue. Oui, bah, pourquoi pas, finalement. Hauts-de-Seine, le Oh. département. Ok. Je savais que c'était pas pont Alexandre III, pas pont des Arabes, écoute. Mais du coup, pas pont de l'Alma. Tac. Je retrouve les Hauts-de-Seine déjà. Ça va être par là, non? C'est bien beau, mais on est où? Je sais même plus. C'est pas ici, là? Non, là, c'est les Yvelines. Putain, je sais même plus où c'est. Ah, c'est là. Tac, tac, tac. Ah non, peut-être là, d'accord. Je savais que c'était pas Alexandre III et pas le pont des Arts. Après, une chance sur deux. Bah, c'est déjà pas mal. Tu sais que c'est pas. T'arrives à éliminer des trucs. C'est quand même pas mal. Plip, la ploup, la plip, la ploup. Bon, je sais pas Laurent où on Choix, est, j'avais mais... pas vu, mais clap clap. Ah! Oh merde. Ah, d'accord. La Merde. colombe. Eh Oui, ben, donc. bravo le mec avec l'emote de Yuki aplati. Le stade Petit Yves manoir, du grande histoire. Manoir a une grande histoire dans le sport français. Il a été le stade olympique des JO de 1924. Il a accueilli la finale du Coupe du Monde de football en 1938.
40 finales de Coupe de France et un grand nombre de matchs de rugby importants. Il est moins en vue depuis la rénovation du Parc des Princes en 72. Du coup, c'était où la Coupe du Monde de football en 38? C'était pas en France déjà? Bonne question. Je regarde rapidement Coupe du Monde. Si, c'était en France. Genre, en 98, c'était la deuxième... Ah ouais? Ah, effectivement. Je veux pas la réponse. C'était Italie en 34, d'accord. Ok. Tac tac tac, ouverture du Stade de France en 98. Ah, et ça va accueillir les JO en 24. En 2024. Pour le hockey. Yes. Sur gazon. Okay. J'espère. Okay. Oh, mais ils vont générer de la glace en plein été à ciel ouvert. Remporté pour la deuxième fois de suite par l'Italie. Ok. Gastronomie. Ah, là on parle. Ça, c'est un croque-monsieur. Miam. Quel pain fabriqué en Europe centrale et de l'Est est l'ancêtre du croissant parisien? C'est pas ça. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Mais c'est pas ça. Je connais pas. Je tente au hasard. Le trulli. C'est excellent. C'est une spécialité de l'Est. C'est un truc, c'est une espèce de pâte feuilletée frite avec du Nutella dedans. Enfin, de la pâte à tartiner noisette dedans. Et c'est incroyable. C'est du cholestérol et du diabète en barre, mais c'est un peu comme le Kuniaman niveau calories. Du beurre frit. Vive le hasard, bah, ce mix, dis donc. Ah bah oui, je vois. Mais ça, c'est pas du hasard, ça c'est parce que tu as offert un sub. Hein. Le kifli ou le kipferl serait l'ancêtre du croissant. C'est quand des boulangers parisiens ont remplacé le pain brioché par la pâte feuilletée que le croissant est devenu le symbole culinaire parisien. La France, bien sûr. Pinpoint the location. Ok. Oh, c'est au coup de biège. Je sais pas aussi ça. Coulommiers. C'est par là. Coulommiers, ouais, c'est une bonne question ça. Où est-ce que c'est? Papa pip ou pip, je sais pas où c'est. Oh, qu'est-ce qu'il y a de mal? Coulommiers centre-ville, super. Ah, je pense que j'ai trouvé. C'est vrai que c'est l'air d'être là. Tac tac tac, bizarre. Je sais pas où c'est. Je suis peut-être passé 50 fois devant. Il y a moyen. Ah, c'est si loin. Ah ouais. Oh, 0 mètre. Oh, let's go, bravo la tête de veau. Bravo la tête de veau, effectivement. Bravo. Bravo. Bravo, oh, fromage. Effectivement. Bah, Dorek, je veux dire ce qui s'est passé, j'ai parlé de la Seine-et-Marne tout à l'heure. Seine-et-Marne très rurale, ça est tenté par là, je pense. Yes. En 2023, combien de restaurants de Paris sont étoilés? Qu'est-ce que j'en ai fait? Pardon.
Voilà, allez, je me hasarde. Allez. Ah, y a beaucoup qui tentent 54. Wow. Bon, bah j'ai C'est pêché, toi. j'ai raison. Bravo la tête de veau. Bravo la tête de veau. Bravo, tête de veau. Bah Bravo. attends. Étoilé quand même, tête de veau étoilée. Tête de veau étoilée. 15 à 2 étoiles et 9 à 3 étoiles. Ah ou, Ah ok. ouais. Voilà, ça doit coûter cher. Oh là là. Personnalité Ouh. francilienne. Ouais. Le Quiz président, time. bien sûr. Président, c'est une personnalité francilienne. Finalement. Quel joueur de PSG dans les années. Oh, du foot. Oh. Je Et un sais enfant de pas. Je tentais Boulogne-Billancourt. Allez hop, je sais pas, au pif. ça. Oh Allez, là, c'était let's là, go. Ginola. Let's go, le pif. Le pif avec Laurent Choix, ou Ah. Laurent Choix avait la réponse. La question foot. Vincent Guérin, né à Boulogne-Billancourt, est un des joueurs phares du PSG dans les années 90. Son match le plus mémorable est le quart de finale. Retour de la Ligue des Champions 94-95 contre le FC Barcelone, où il inscrit le but de la qualification. Il compte aussi 19 sélections en équipe de France. Donc attends, tu veux dire que PSG a dépassé un jour les quarts de finale? Et oui, impressionnant. What? Quelle performance. Ouais, ça, c'était les années 90, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et du coup, j'ai une là dans la qui me suis planté ou... Il était un petit peu PSG, lui. Un petit peu ou pas, je sais pas. Ah oui, il était au PSG, donc je... Non, Ginola, je m'étais pas planté. Ils sont Mais tous il est du là, personne dans PSG. le bar. Ah, ils sont tous du Ok. PSG, de toute façon, ok. Ils sont allés en finale 2020. Oui. C'est juste que j'aime bien me foutre de la gueule des joueurs du PSG. Tac 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 tac. Oui, d'accord. C'est un musée. Alors, c'est mignon comme musée, mais je connais pas du tout. C'est probablement pas le Louvre. Je sens que vous me mettre en plein centre de Paris et puis ça va pas faire beaucoup de points perdus. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut voir quelque chose à travers la fenêtre? Alors, du coup, j'ai le nom du musée, tout à fait, hein, super. Ah, Ça va m'aider. bravo, j'ai pas trouvé. J'arrive pas à descendre l'escalier. Je sais comment s'appelle le musée, super. Et Laissez-moi bah avec ça. sortir. Ah oui, t'es là. Ouais, tout à fait. Ah! Ah d'accord. Ah bah oui, ça doit être. Ah. Oh, il y a trop de musées à Paris. Il y a trop de musées. Alors. Je connais pas sa vie à ce type-là. Effectivement, on peut pas descendre les escaliers, non. Mais par contre, sur les... il y a des panneaux d'information là, il y a peut-être écrit chronologie. Il est né où? Oui. Ah putain, j'aurais dû Et voir ça plus oui. tôt. J'aurais dû voir ça Par plus contre. tôt. Par contre, je peux vous dire, dans cette ville-là, j'ai pas l'impression de voir. Ou alors je me plante, hein. Je fouille mal, mais j'ai pas l'impression de voir ça. Son musée. Non. Ah bah Ah, si, moi non c'était là, plus. apparemment. Ah, j'étais à Alors. 45 mètres. Attends, j'étais à 45 mètres et j'ai pas vu le musée. Ah, mais il faut zoomer ultra fort pour le voir. Maison natale de Claude Debussy, en fait. Et si tu zoomes Oui, pas parce qu'on vraiment à fond, tu le vois pas. Tu vois le tacos Saint-Germain-en-Laye voit avant ta de voir. course. Tacos, ça se voit mieux.
Claude Debussy, grand compositeur, né en 62 à Saint-Germain-en-Laye. Mais 862, hein, par contre, si c'est une petite faute de frappe. T'avais pas vu la fiche avec la ville? Ah oui, Ah oui. après ça aurait pu être ailleurs que Saint-Germain-en-Laye, mais bon, faute de mieux, j'avais tenté 1862, par là. oui, 1862. Tout à fait. Sinon. La bouffe en première, la culture en seconde. La bouffe en premier, la culture. 1862, c'est ici, c'est un 8. Ah, tout va se jouer là. Dernière question. Qui était la dernière Miss France venant d'Île-de-France? Oh. Oh merde. Celle-là. Je sais plus. Et non. Oh. Et c'était Diane Lair. J'ai piffé. Et bravo, bravo la tête de veau et bravo Laurent Choix. Aujourd'hui, on a deux animaux en tête. Ah oui, c'est récent en fait, c'est en 2021 qu'elle En s'est fait élire. 2022. Ok. Eh bien, finish game. Et la tête de veau et Laurent Choix. Je pense qu'il y a un petit complot des animaux ici. Hein. Nous avons un veau et un poisson en tête du classement avec Astou, en troisième position. Un magnifique podium, bravo. Et bravo le mec avec l'emote de Yuki aplati et mais pas écrasé. Bravo Flow No Connection bien sûr et bravo Nita. Bravo. Allez, c'était la dernière question et mes yeux se ferment donc je file zou bisou bisou. Eh bien, zou bisou bisou à toi aussi Nita. Bonne soirée, bonne nuit. Repose-toi bien, à la prochaine. Merci d'avoir suivi le raid. Et encore désolé pour les problèmes de connexion, bien sûr.